Salut tout le monde, c'est Seb, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on se retrouve une nouvelle fois sur The Last of Us. Donc vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, on était avec Ellie et Joël dans l'université. On était attaqué par des individus et Joël a été gravement blessé. On ne sait pas ce qu'il en est devenu. C'est pour ça qu'on joue avec Ellie. Ellie avec laquelle on a dû chasser un cerf. Et nous sommes tombés sur cet homme. Nous avons été attaqués par des cliqueurs. Des claqueurs, oula, je vais y arriver. Des claqueurs. Et voilà, donc nous sommes arrivés ici. Donc on a dû monter ici. Et on est arrivé donc ici. Donc on continue, allez, c'est parti. On entend des cris au loin. Faut qu'on sorte. Bon, pas s'attarder. Non, sans blague. Surveille un peu ton bagage. Ok, grand-père. Regardez là-haut, s'il y a un passage. Donc là, c'est mauvais, on a vraiment du monde autour. Hein. Faut vraiment pas se tarder. Donc là, je vois qu'il y a quelque chose. Merde. On dirait que les derniers à les avoir affrontés ont perdu. Je cherchais justement ces garçons. Peu importe. Ils sont légèrement gelés. Je vais chercher une sortie. On va reprendre tout ce qu'il y a récupéré. Qu'est-ce qu'on peut faire des confections avec elle? À première vue, oui. Ça c'est fait. Tu vois un truc? C'est un cul-de-sac. Comment il s'y retrouvait dans ce bâtiment? Qu'est-ce qu'on fait du coup? Voilà, ça c'est fait. On n'a pas d'autre choix. Mourir. Je vois. Prépare-toi. Vas-y, j'ai qu'une seule balle, j'ai pas les loin. Donc là, faut pas que je loupe. Et zut! Rapidement, rapidement, rapidement. Impeccable. Donc, j'ai eu les deux. C'est un petit peu dommage, je dois me battre. Vous entendez? Sur le toit! Avec les bras. Donc là, je l'ai tiré parce que j'ai plus de munitions. Bing, impeccable. Donc là, je recharge rapidement. Impeccable. Là, je récupère rapidement les munitions. Quoi faire, je vais utiliser mon couteau pour achever les petits infectés. Ah zut! J'ai pas su repousser. Donc on est reparti. On va reprendre au même endroit. Je vais ramasser ça. Ouais, n'importe où. Oh. J'arrive pas à les avoir. Impeccable. J'arrive pas à enchaîner. Donc, contrairement à Joël, on peut enchaîner les infectés. Là, avec Ellie, elle se fait choper direct. Bon, c'est un petit peu normal vu sa taille. Donc, elle est meilleure au flingue. Donc là, on va y aller au flingue. C'est un petit peu inutile. Je vais préparer une bombe pour les claqueurs. Ok, j'imagine, voilà. Ils arrivent. Et il y en a deux, donc ça, on va laisser venir. Je crois que j'ai le deuxième qui est encore là. Et zut, je l'ai raté. Vous entendez? Sur le toit.
quelqu'un de là. Faut que je m'attarde ici parce que je n'ai plus de vie. Donc ça, je vais ramasser rapidement. Si je peux fabriquer. Oh là, il n'a pas encore vu. J'ai plus de balles. Je suis que des rappeurs. J'arrive pas à les avoir. Là, c'est un petit peu difficile. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais très rapidement préparer des pièges ici. Ici. Bim. 3. Il m'a fait péter mon piège. Zut. Il va me faire péter mon piège. Zut. J'ai plus de piège pour le claqueur qui arrive. Je vais regarder rapidement s'ils n'avaient pas de munitions. Impeccable. Donc là, ils sont des munitions. Ça fait péter mon piège là-bas. Derrière moi. J'arrive pas. Donc là, ça démarre très difficilement cette vidéo. Je suis vraiment désolé. J'arrive pas. Ils m'ont fait péter tous mes pièges. J'ai tout foiré ma technique. Donc les pièges, je vais poser après. Je vais déjà m'occuper d'eux. Je manque vraiment d'objets. Je vais vite faire ça. Pour les craqueurs, je rappelle. Ça. Voilà. Ramasser rapidement ça. Je vais en fabriquer une deuxième. J'ai entendu qu'ils ont fait péter ma bombe. J'entends un craqueur. Ah zut, il l'a eu. Je peux l'avoir. Et zut! Très difficile. Donc là, c'est vraiment un passage difficile. Là, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment du mal. Là, j'utilise sûrement la mauvaise technique. Mais vu qu'on manque vraiment de munitions, j'ai vraiment pas besoin de recharger à chaque fois. Bon, allez, je vais vite ramasser par munitions. Il faut aller très très vite. Hein. Non, il y a plus de tampon. Là. Vous entendez? Sur le toit. Ah, c'est bon. Oui, je l'ai entendu. Ça, c'est fait. Je vais vite ramasser la bolt pour fabriquer un nouveau piège. J'ai entendu qu'ils m'ont fait péter celui-ci. Je recharge très rapidement. Ici, je peux pas ramasser. Ça, je vais ramasser et vite. Très rapidement fabriquer ça et ça aussi. Vite. C'est pas la bonne arme, Elle passe à son petit couteau. J'espère, ça c'est vraiment difficile. Ouais. Elle est sûre d'elle, c'est bien. Ils sont combien au juste? Je pense qu'on est mal en point là.
Bon, pour l'instant, ça va pas trop mal. Je vais récupérer rapidement ça. Impeccable. Je vais mourir, je l'ai même pas vu. Hop, je charge très très rapidement. Ici, je vais fabriquer rapidement des soins. C'est un colosse. Oula, c'est... Ça sent pas bon. Mais si j'ai pas tout ramassé, impeccable. Je charge très très rapidement. Oh là là, en plus on désinfecte en plus. Bon, je vais laisser s'occuper s'il y arrive. Oula, oula, oula. Casse-toi, casse-toi. Alors désolé, je me souviens plus de son nom à lui, je l'ai oublié. Il va sûrement le faire après. J'avais ça. Donc ça, ça peut être utile. Donc deuxième, ça fait pas de mal, mais là je le vise mal. J'ai congé un petit cercle long. Et on l'a eu, impeccable. Donc là j'ai pas de munitions. J'espère que le colosse c'était le dernier. On les a tous butés. On dirait. Voilà, donc là, ça s'est mieux passé. Désolé pour les combats juste avant où je suis mort, c'était franchement difficile. Ouais, on continue. Écoute. Pas d'infecté. Pas d'infecté. Qu'est-ce que je disais? Ok. On y retourne. Allons voir notre serre. Tu t'en es plutôt bien sorti tout à l'heure. Je crois qu'on fait une bonne équipe. On a eu de la chance. De la chance? Non, non. Je crois pas à la chance. Non, tu vois, je pense que tout arrive pour une bonne raison. C'est ça. C'est vrai. Et je peux te le prouver. Tu vois, cet hiver était particulièrement rude. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un groupe d'hommes chercher de la nourriture aux abords de la ville. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été tués par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné d'une petite fille. Tu vois, tout arrive pour une raison. Allez, te fâche pas. C'est pas ta faute. T'es qu'une enfant. James, baisse ton arme. Pas question, David. Je vais pas la laisser. Baisse ton arme. Donne-lui le médicament. Ça va pas plaire aux autres. Bah, ça ne te regarde pas. Dégage de mon chemin. Tu survivras pas longtemps dehors. Je peux te protéger. Non, merci.
Joël ? Oh. J'ai pas trouvé grand-chose à manger. Par contre, j'ai trouvé ça. Lève ton bras. Et voilà. Désolée. C'est bon. C'est fini. Tu vas t'en sortir. Je vais les éloigner d'ici. Je reviendrai après. Voilà, donc on a retrouvé Joël, donc qui est encore vivant, mais vraiment très mal en point. Donc là, on se barre d'ici. On essaie de se barrer d'ici pour pas leur montrer l'endroit où on se cache. Donc Ellie a fait une piqûre à Joël d'un antibiotique. On espère que ça le guérisse. Pour l'instant, on se barre, on ne va pas traîner ici. Et on sort d'ici. Faut vraiment pas qu'on traîne ici. Voilà, donc ils ont réussi à abattre notre cheval, donc là, faut pas qu'on traîne ici, je rentre vite fait à l'intérieur de cette maison. Qu'est-ce que je peux trouver? Donc là, ils vont me suivre, donc je vais rapidement voir ce que je peux trouver. Bon, on va passer par ici, je vais regarder là. Désolé. Que c'est embêtant de regarder quelqu'un qui fouille partout. Malheureusement, je suis vraiment obligé parce que pour voir en munitions, je ne suis pas riche. Je vais vraiment faire le tour, tout ce qu'il y a trouvé. Mais j'ai bien entendu des voix. Oui, donc là, on est vraiment recherché mort ou vif. Hein. On a battu leurs amis à l'université, qu'on a pu entendre. Donc David, l'homme qui nous a aidé, lui veut nous aider à première vue, mais ses amis ne veulent pas entendre la même chose. Eux, ils veulent vraiment nous faire la peau.
Donc là, je regarde vite fait. Il regarde, ils sont tous à moi. Donc c'est bon. Hop, je vais me passer par ici, si je peux. Mais zut, je vais me cacher. Je vais prendre le fusil à pompe. Je vais mettre mes notes à couvert. En munitions, je suis encore bon. Je vais rapidement recharger. Oh, ses copains, ils sont où? Non, fiche, je suis vraiment dans le point. Je vais vite reprendre des soins. Je vais vite fabriquer un deuxième. Une bombe rapide. Voilà. Donc là, j'en ai vu un au fond, mais j'ai peur qu'il y en ait à ma gauche. Non, c'est pas ça que je veux. Bon, faut pas que je traîne dans cette maison. Il y a du bruit derrière moi. Allez bouger, allez bouger. Oui, les munitions sont chères, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est vraiment pour ça que je m'attarde un petit peu avant de tirer. Et je sais, je ramasse souvent mes bouteilles. Alors, ici, il n'y a rien. Donc là, ça va être tendu, je pense. Je vais vraiment essayer de me rapprocher le plus possible avant de tirer. Vous pouvez voir en même temps les paysages. Les soins. Ici, il y avait... Oh, j'en peux. Là-bas. Il ne doit pas être tout seul. Alors, ils sont où ses copains? J'aurais bien aimé aller dans la maison là-bas. J'en suis si je passe par là, il ne verra pas. Je vais te courir. Je vais pas perdre de temps. Mais là, tu peux passer à côté. Alors, ici, est-ce qu'il peut voir? Non. Je vais très rapidement fouiller. Et voilà. Bon, ça, c'est bon. Le problème, c'est que je ne sais pas où je dois aller. Bon, j'ai une maison à côté, je vais peut-être fouiller très rapidement, discrètement. Utile. Et là, je dois quelque chose. J'ai bien fait quelque chose. Alors, bah, pour moi, il faut aller là-bas. Là, il y avait le gars. Donc, j'essaie de lui arriver dans le dos. Ça serait vraiment bien. Ah zut. Ouh juste. Viens moi. Par le flanc. Normal là, c'est une petite fille. Une petite. Oh dis-moi pas, je peux recommencer. Bon, bah, faut tout recommencer. Zut. James m'a dit que c'était la fille de l'université. Combien de nos hommes ont été tués là-bas? Bon, bah, je vais vraiment éviter les combats. Malheureusement, il va falloir que je refouille les maisons parce que mon mission, j'ai que 7 balles, je vais pas aller loin. Je veux juste en finir. On peut le voir. Je me gèle les couilles. Oula, ouais, d'accord. Je vais regarder là. Vous là, fouillez la baraque. J'ai rien du tout, donc je vais m'occuper de lui discrètement.
Ouais. Bah, j'aime pas ce bruit. Oh, je l'ai vu. Je suis devant toi, il m'avait pas vu. Ouais, bah, j'étais obligé. Eh oui. La flingue est dangereuse. J'entends du bruit par ici. Il est où? Je pouvais pas m'amuser à lui arriver dans le dos. Je vais pas tenter de mourir une deuxième fois. Est-ce qu'ils sont pour l'instant? Je vais rapidement fouiller ici, désolé. Très rapidement. Est-ce que je pouvais fabriquer des bombes et tout ça tout à l'heure? Ça peut être utile. Hop, rapidement, hop. Un autre, on passe à la prochaine. Très rapidement, on s'attarde pas ici. Ici, il y a rien. Ici, il y a rien. Ici, il y a rien. Allez, on passe à la prochaine. On va faire gaffe au gars de tout à l'heure. Ah, oui, d'accord. Donc là, ils sont nombreux. Vous pouvez voir, il y en avait 4. 3 ici, il y a un qui est parti derrière. Oh, attention. J'ai été faire tout de suite mes confections. Malheureusement, je peux pas faire de cocktail Molotov. Ça, c'est dommage. Donc, il va falloir que je me serve de mes bombes. Comme ça, quand ils m'arriveront dans le dos, ils auront une petite bombe qui va les attendre tranquillement. Alors ici, j'attends qu'ils ne me regardent plus. C'est pas bon, zut, trop tard. Je suis jugé, allez, tant pis. Impeccable. Et 4. Voilà, c'était plutôt bien joué. Je vais faire attention qu'il n'y en ait pas d'autres. Première vue, c'est bon. J'ai rapidement fouillé ici. Donc là, c'est bon. Là, j'ai pas de soins à fabriquer ici. Je vais rapidement fabriquer des soins. Ça peut toujours être utile. Voilà, comme ça, j'en ai 3. Quand tu n'as rien. Oula, donc là, vous pouvez voir. Une jambe au moins. Attention, les 3 flingues. Voilà. Je refouille rapidement ici et on repart. Quand tu veux monter à côté, hein. Ah, ça c'est pas grave. Allez. Je vais faire attention. Sentier de découverte. Ça devrait faire l'affaire. Tu l'as eu, Lily. Surtout, tombe pas à l'eau. Tombe pas. Oh, merde. Faut de Molotov, c'est pas grave. Je crois. En fusil, on peut toujours profiter des paysages qui sont toujours aussi magnifiques. Ah, un nouveau bouquin.
Donc là, je ne sais pas vers où on se dirige. Je vais rapidement regarder par la grille ce que c'est. Pas par là. Et comment je fais pour sortir? Ouais, donc là, je pense que ça doit être leur QG. Vu comment c'est un grand bâtiment. Ce truc me barre la route. Comment je vais faire pour passer? C'est pas par ici. C'est pas par là. On sait jamais qui m'a demandé de marcher le long de la du lac. On doit pas passer au-dessus, non? Ce que c'était. J'ai une tache noire. Ici, y a rien à faire. Ah oui. Voilà, donc ça a l'air d'être bon. On passe tranquille. On va voir ce qui nous attend. Donc là, ça sent mauvais, je pense. Je peux m'attarder ici parce que c'est fort à découvert. Qu'est-ce que je veux voir? D'accord, donc ta route est par là. Et il va falloir passer par la maison parce que la grille est fermée. Donc là, je vais vite me mettre derrière le muret. Et là, ça sent le gunfight. Oh oui. Une petite musique. J'ai pas de molotov, j'ai plus de bombes, il me reste que 7 balles, je vais pas aller loin. Allez, on avance discrètement. Là, il va falloir vraiment être discret. Et se débarrasser de tout ça discrètement. Ouais. Où est cette gamine? Voilà, déjà un. On couvre ici. Il n'y a pas de balle pour moi. Il n'y a rien pour moi. Je passe au fusil. T'as trouvé quelque chose? Tu m'entends? Et zut. Tant que tu regardes ton homme à terre, moi je me barre. Allez, on continue. Tant qu'il s'occupe d'eux, moi je suis déjà parti. Ici, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Elle est beaucoup moins forte que Joël, donc forcément ça prend plus de temps. Je vais rapidement, rapidement pousser ça avant qu'ils arrivent. Allez, je tente. Impec. Regardez là-haut, s'il y a des munitions. Rien. On descend. Ici, j'ai vu que je pouvais faire quelque chose. C'est la porte. Où est la sortie? Je sais où est la sortie. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Alors, j'ai des munitions pour pistolet, mais j'en ai pas du pistolet. Dommage. Ok, ici, 2 secondes. Qu'est-ce que je peux faire comme confection? Je vais faire un molotov rapidement. Voilà.
Zut. Mon petit camarade, je l'ai laissé. Ils sont encore là. Je vais vite courir là-bas. Et voilà, donc les soins, j'en avais assez. Je vais vite reprendre des soins. Oh, même pas se lever, c'est ça, j'en ai encore. Je vais buter, sale petite garce. Oh, un en moins. Ouais. Tu vois, je t'ai vu. T'es où? On peut pas se relever. Je peux voir là-bas. Hop, je t'avais vu. C'est ce qui me semblait. Bon, j'ai pas tout de petit couteau, parce que petit couteau, des fois, ça la rate et je voulais pas, encore une fois, mourir. Tu calmes. Tu es en sécurité. T'en fais pas. T'en fais pas. Comment tu te sens? Super. Tiens. Faut que tu manges. Je sais que t'as faim. T'es resté longtemps dehors. Qu'est-ce que c'est? Tu sais? Avec de la viande humaine en accompagnement? Non. Non, je te le promets, c'est juste du cerf. Espèce de monstre. Ah. Un peu rapide comme jugement. Quand on sait que toi et ton ami, vous avez tué combien d'hommes? Ils nous ont pas laissé le choix. Et tu crois que nous, on a le choix? C'est ça? Vous tuez pour survivre. Tout comme nous. On doit s'occuper des nôtres, à n'importe quel prix. Et maintenant? Vous allez me découper en petits morceaux aussi? J'aimerais mieux pas. Allez, dis-moi ton nom. Tout ça, c'est des conneries. Au contraire. J'ai été... plutôt honnête avec toi. Maintenant, à ton tour. C'est le seul moyen de convaincre les autres. Les convaincre de quoi? Que tu peux vivre ici. Tu as un cœur. Tu es loyal. Tu es spécial. T'es vraiment stupide. On peut pas dire que tu m'aides à te sauver la vie. Qu'est-ce que je vais dire aux autres maintenant? Ellie. Quoi? Dites-leur que... Ellie est la petite fille qui... vous a pété votre putain de doigt! Comment t'as dit? Hein? En petits morceaux.
À demain matin, Ellie. 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 Voilà, donc Ellie est prisonnière de ces individus qui sont de vrais psychopathes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment... Ouais. Elle est mal en point, je pense. Donc on a... Là, on reprend le contrôle de Joël. On est parti pour la retrouver, donc je vais changer d'arme ici. Je vais passer au fusil. Et je prends mon gun. En confection, je vais rapidement faire les confections. Voilà. Voilà, donc là, je suis prêt à repartir, mais je vois que j'arrive bientôt aux 45 minutes. Donc on va rester là pour cet épisode, j'espère que vous avez apprécié cet épisode vraiment très très spécial. J'ai eu du mal à commencer avec tout, toutes les morts que j'ai eues avec Ellie. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, on se rend rendez-vous pour la prochaine. Allez, salut, à plus.